Plus de 200 cadres du CHU Hôpitaux de Rouen se sont réunis vendredi 14 novembre 2014 pour les 4e Carrefour du Management. Cette rencontre annuelle a permis aux différents ateliers de restituer leurs travaux de l'année écoulée, comme notamment la création d'une identité sonore de l'établissement et d'un film sur les valeurs portées par les personnels, l'ouverture d'un espace cadre, d'une conciergerie et la mise en place de formations. Que représentent pour vous les Carrefours du Management ? Pour moi, c'est le témoignage d'une vraie dynamique dans ce CHU avec toutes les équipes soignantes. Et je pense que bon, plus ça va chaque année, plus il y a de monde. Et donc c'est extrêmement positif. Et ça a d'ailleurs été très largement souligné hier dans le cadre de la visite de certification européenne du Management. Donc c'est vraiment un grand coup de chapeau qu'il faut leur donner. Monsieur Meyouas ? Écoutez, moi je partage évidemment totalement cet avis. Et je crois que vraiment ça correspond à nos valeurs, esprit d'équipe et dynamisme. C'est travailler ensemble et puis c'est aussi avancer, se mettre en mouvement pour réaliser nos valeurs. Des managers investis avec plein de projets en perspective. Alors, sur quelles actions allez-vous travailler l'année prochaine ? Alors l'année prochaine, le groupe Magnet Hospital souhaite finaliser les actions qui sont déjà en cours cette année, la conciergerie, les formations qu'on va vous proposer et évidemment mettre en place de nouvelles actions innovantes pour l'année prochaine. Et c'est pour ça que toutes les idées sont les bienvenues. Donc si vous voulez intégrer un groupe dynamique, convivial et surtout très motivé, eh ben, vous êtes les bienvenus. Alors, les perspectives 2015 de l'atelier recherche et innovation en management, c'est tout d'abord la poursuite de notre travail en projet de recherche sur la gestion du taux d'absentéisme de la femme enceinte. Un cycle de conférences que nous souhaitons absolument pouvoir mettre en place avec notre première conférence ayant pour thématique l'absentéisme. Nous avons également le projet de mettre en place des formations pour aider l'ensemble des cadres à monter des projets de recherche et puis un très gros projet également pour développer la culture de la recherche qui sont les 5 à 7 scientifiques. Alors sur l'atelier identité, culture et valeurs, nous allons enfin mettre en place l'espace cadre. On a enfin les locaux, on va pouvoir travailler au contenu de ce fameux espace cadre. Ensuite, nous allons travailler au cadre action numéro 3. Cette année, ce sont les numéros 2 et on souhaite renforcer encore notre action managériale à ce niveau. Et le dernier thème que l'on va aborder, c'est sur le RSE, un réseau social d'entreprise. C'est quelque chose d'innovant que l'on va essayer de travailler, voir si on peut le transposer à l'hôpital pour pouvoir faire évoluer Outlook qui est de moins en moins pratique pour pouvoir s'échanger de nombreux dossiers, pour pouvoir créer des communautés de travail. Ça sera véritablement notre prochain gros challenge sur l'atelier. Alors nous, notre groupe, c'est l'univers cadre. On avait deux thématiques, le management bienveillant et la transmission des savoirs. Donc cette année, là, en 2015, ça va être principalement le transmission du savoir qui va être abordé. Premièrement, en mettant en place la conférence qu'on a annoncée au Carrefour et surtout trouver des actions concrètes pour savoir comment mettre en pratique la transmission des savoirs, qui, comment et voilà. Donc j'incite vraiment tout le monde à venir nous rejoindre. Si vous êtes cadre et avez envie de vous investir dans un management dynamique, rejoignez les ateliers des Carrefours. Une inscription en ligne sera disponible très prochainement.